Intervox est un fabricant de solutions pour principalement la téléassistance, donc ce qu'on connaît aujourd'hui avec le déclencheur que vous voyez ici. Je porte un déclencheur, j'appuie sur le bouton et ça envoie l'alarme à la plateforme de service. Mais Intervox et le groupe Legrand travaillent beaucoup sur le maintien à domicile, notamment dans le cadre de la Silver Economy, et proposent des solutions de prévention des chutes, notamment avec le balisage lumineux, de sécurité avec la téléassistance, mais c'est également les détecteurs de fumée communicants. Donc qui vont transmettre automatiquement l'alarme à la plateforme de service, et tout un tas de solutions aussi qui préservent le lien social, parce que c'est une population fragile qu'on cible et qui malheureusement n'a pas beaucoup de communication vers l'extérieur. Dans le cadre de la Silver Economy, on parle beaucoup de maintien à domicile. Donc Intervox et le groupe Legrand travaillent sur des projets très ancrés maintien à domicile pour la sécurité, pour la prévention. Donc on parle d'anticipation, on parle d'alerte et on parle d'accompagnement. Donc il y a tout un tas de solutions maintenant numériques qui permettent de partir sur des solutions non stigmatisantes, beaucoup plus ludiques et beaucoup plus acceptables pour la personne fragile, encore une fois, qu'elle soit âgée, maladie chronique ou bien de retour à domicile suite à une hospitalisation. Intervox a sorti cette année un terminal de téléassistance, donc le Kiati Lizzy, beaucoup moins stigmatisant, beaucoup plus discret. On sort actuellement donc des nouveaux déclencheurs portés sur soi, beaucoup moins stigmatisants et beaucoup plus légers en pendentif, en montre ou en clip. Et l'année prochaine, nous allons décliner donc la gamme Kiati Lizzy, donc toujours pour rester dans des solutions non stigmatisantes, beaucoup plus discrètes, avec les technologies qui vont sortir, notamment du numérique, de l'IP et de l'Ethernet. Et on travaille bien évidemment sur des solutions un petit peu plus smartphone, d'actualité, pour rendre les choses beaucoup plus acceptables pour la personne fragile.